Bienvenue au Facebook Live de l'Humanité qui reprend en direct de la manifestation parisienne à l'appel de l'intersyndicale. On est avec Mathias Bergman, régisseur à l'Opéra de Paris, ouais, régisseur vidéo ouais, et délégué syndical de Sud Spectacle. L'Opéra, les images de l'Opéra qui ont fait le tour de France et même du monde, qui montrent l'entrée du monde de la culture dans le mouvement. L'entrée depuis le départ, depuis le 5 décembre en fait. Hein. On a pris très vite conscience, on a été reçu chaque syndicat séparément au mois de juin par la personne en charge des régimes spéciaux de retraite. On a été reçu chaque organisation syndicale. On a passé plus de 10 heures au ministère de la Solidarité pour expliquer tous les problèmes que posait la fin de notre régime spécial qui date de Louis XIV, hein, faut le savoir. L'Opéra de Paris, la caisse de retraite date de Louis XIV. À l'époque, l'État considérait que la culture faisait partie des fonctions régaliennes de l'État. Et aujourd'hui, c'est plus le cas, visiblement. Et on a vu très vite tous les dangers que ça représentait pour l'Opéra, cette réforme des retraites. Donc on y a été au mois de juin, on a été reçu au mois de novembre par M. Delevoye et Franck Riester, le ministre de la Culture. Et on s'est vite rendu compte qu'en fait, ils n'avaient pas du tout travaillé sur les régimes spéciaux. C'est-à-dire que depuis le mois de juin, on a le même discours. Retraite unique pour tout le monde, pour tout le monde, pour tout le monde. Quand on pose les problèmes concrets que ça va poser à l'Opéra, pas de réponse. Est-ce que vous pouvez nous dire ces problèmes concrets? Les problèmes concrets, c'est très médiatique pour les danseurs. La carrière à 42 ans, l'arrêt de la carrière avec une pension qui est indispensable pour les danseurs de l'Opéra. Parce qu'aucun danseur n'a la même productivité, la même charge de travail que les danseurs de l'Opéra qui rentrent à 8 ans à l'école de danse. Déjà, c'est le premier cas, mais on a tous les techniciens. Par exemple, pour les techniciens, j'ai un exemple qui est très marquant. C'est qu'il y a eu 2 ans, il y a eu un accident à l'Opéra, ce qui peut se produire, ce qui ne devrait pas se produire. Mais un décor qui est tombé sur le plateau, les deux techniciens qui sont restés sous le décor, ils avaient 57 ans, c'est-à-dire qu'ils étaient déjà à la limite d'âge. Mais avec les réformes successives, de toute façon, même si on a des âges d'ouverture de droit qui sont un petit peu plus favorables que dans le public, avec les systèmes de décote, les gens sont obligés de prolonger. Et on a des copains, voilà, qui arrivent à 60 ans, un boulot de machiniste où on porte des tonnes de décors. À 60 ans, on ne peut plus le faire. Donc voilà, c'est toutes ces aberrations qu'on ne comprend pas. Cette réforme, c'est n'importe quoi. Et c'est pour ça que depuis le 5 décembre, il n'y a pas eu de spectacle de donné à l'Opéra, quoi. Bon, même si maintenant on va prendre peut-être, on va refaire quelques spectacles parce que on est en train de tout ce qui est budget de l'Opéra est en train de fondre. Mais si on le fait, on restera complètement dans le mouvement et on sera là sur toutes les journées nationales d'action. On va peut-être être obligé de reprendre un petit peu. Simplement pour faire une trésorerie à l'Opéra parce qu'on est presque à zéro au niveau du fonds de roulement de l'Opéra et on ne veut pas emmener tous nos collègues dans le mur. Si on le fait, c'est à contre-cœur, c'est parce que vraiment c'est pour sauver l'Opéra. Mais on sera là sur toutes les journées nationales, ça c'est sûr, et le plus nombreux possible. Le gouvernement a tenté au début de diviser sur les régimes spéciaux. On voit bien aujourd'hui que tout le monde est dans le mouvement social, il y a une solidarité. Mais de toute façon, tous les camarades, tous les copains qui luttent à l'Opéra, ils luttent pour leur régime spécial, mais ils luttent aussi contre cette réforme Macron et contre le monde de Macron qui veut nous imposer. Ça, il faut être très clair, c'est pas que notre régime qu'on veut sauver, mais on est aussi totalement opposé à toutes ces réformes qui nous emmène dans un monde qui est un monde néolibéral, facho et fasciste, totalitaire. Il n'y a qu'à voir comment répondent les flics sur les manifestations de travailleurs. C'est une honte. J'ai jamais vu ça dans ce pays. Et moi, j'ai jamais vu une réforme aussi mal ficelée
Ça fait 25 ans que je fais du syndicalisme. J'ai jamais vu ça. Et ça, ça suffit, quoi. Qu'ils se foutent la France entière. Vers quoi il veut nous amener, ce mec? Ça suffit, il y en a ras-le-bol de ce gars-là, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, ça ira, c'est très bien. Merci, le témoignage de Mathias Bergman, salarié de l'Opéra, qui rappelle la détermination des salariés de l'Opéra à avoir retiré ce projet de réforme. Bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité. On est en direct de la manifestation parisienne qui est partie de la République, place de la République à Paris, aujourd'hui 24 janvier à 11h. Il est presque 15h de l'après-midi. Manifestation à l'appel de l'intersyndicale, jour où le gouvernement présente son projet de loi en conseil des ministres. Bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Cette manifestation qui se tient maintenant depuis plus de 8 semaines, qui est absolument historique et qui, on le sent, nous qui, avec l'Humanité, battons le pavé depuis le début du mouvement, que la joie et l'enracinement, finalement, le mouvement social est en train de prendre confiance en lui. On sent une différence par rapport au tout début. C'est pas simplement la détermination, c'est aussi le sentiment que ben finalement c'est bien les salariés, c'est bien ce peuple dans la rue qui fait l'histoire, c'est lui l'acteur principal, l'acteur historique, et c'est bien l'histoire que ce mouvement social, ce front social qui se tient depuis plus de 8 semaines est en train d'écrire dans l'histoire de France. Bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité. Nous sommes en direct de la manifestation parisienne après plus d'une cinquantaine de jours de grève et huit semaines de manifestation. C'est extraordinaire. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Et bonjour, nous sommes dans le cortège de la Comédie Française. Eux aussi ont rejoint le mouvement. Voilà, les secteurs qui rejoignent le mouvement n'en finissent pas, qui rejoignent ou qui sont là depuis le 5 décembre, bien évidemment. En tout cas, on voit la largeur de ce mouvement social, son extension, son effet tache d'huile. Et les chiffres de la CGT sont tombés. Nous sommes plus de 350 000 personnes à Paris pour un mouvement qui s'essouffle ou pour un baroud d'honneur. Je crois que les manifestants à Paris aujourd'hui, 24 janvier, sont en train de démontrer tout le contraire. On est sur le Facebook Live de l'Humanité en direct de la manifestation parisienne devant le cortège de la Comédie Française après avoir écouté le témoignage d'un salarié de l'Opéra en grève depuis le 5 décembre et déterminé à poursuivre la lutte. On est en direct du Facebook Live L'Humanité à la manifestation parisienne à l'appel de l'intersyndicale aujourd'hui vendredi
24 janvier, jour où le gouvernement présente son projet de loi en conseil des ministres. C'est une manifestation monstre, noire, de monde, 350 000 personnes selon les chiffres de la CGT qui viennent de tomber. La détermination des manifestants est absolument intacte et elle se confirme jour après jour. Le mouvement social prend confiance en lui-même. Je crois qu'il y a un cap qui a été passé, un cap de confiance en lui-même de ce mouvement social déterminé au retrait de la réforme. Pardon, bonjour. Vous êtes à la Comédie Française ? Absolument, oui. Alors, et donc nous dénonçons cette réforme qui ne nous convient pas du tout puisque on s'attaque à une partie de la culture qui représente l'excellence, que ce soit l'Opéra de Paris ou la Comédie Française. Forcément, il y a énormément d'implications. On n'a toujours pas compris le financement. Ça fait des mois qu'on demande des explications, on ne les a pas. On demande à nos administrateurs de négocier avec l'ensemble du personnel, mais les administrateurs n'ont pas ni le pouvoir, ni les moyens de négocier cette réforme, puisque c'est le gouvernement qui les met en place, d'où notre présence à tous ici aujourd'hui. D'accord. Il y a 72% de la population qui pense que le mot autoritaire s'appliquerait à Macron selon un sondage Elab. Vous en pensez quoi ? Absolument d'accord. Absolument d'accord. Et justement, il parlait, Macron, ce matin de dictature. Alors évidemment, nous ne sommes pas dans une dictature, mais dès lors qu'un gouvernement s'attaque aussi à des établissements publics et culturels comme les nôtres, c'est déjà... À l'appel de l'intersyndicale Sud, CGT, FO, FSU, CFE-CGC, beaucoup de détermination dans cette manifestation... qui ne cesse de se confirmer jour après jour, de confirmer sa combativité, sa détermination à poursuivre le combat et à reprendre la main face à un gouvernement qui reste sourd aux revendications de son peuple, puisque 61% des Français sont pour le retrait de la réforme. Vous êtes en direct du Facebook Live Humanité, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Je vous rappelle l'offre d'un euro, l'abonnement qui vous donne accès au site numérique de l'Humanité. Voilà, en direct de l'Humanité devant le cortège de l'Union syndicale solidaire, en direct de la manifestation parisienne aujourd'hui, vendredi 24 janvier. Après 8 semaines de mouvement social, plus d'une cinquantaine de jours, c'est historique. Et comme le rappelait le sénateur communiste Pierre Laurent, la gauche politique a la responsabilité de prendre la mesure de la dimension absolument historique de ce mouvement social. Voilà, on est en direct de la manifestation parisienne qui est partie ce matin, place de la République à 11h. Il est près de 15h, me semble-t-il. On est au niveau du Louvre, au sein de la manifestation à l'appel de l'intersyndicale. Manifestation qui se tient aujourd'hui, vendredi 24 janvier, jour où le gouvernement présente la réforme des retraites en conseil des ministres. Vous êtes sur le Facebook Live de l'Humanité, n'hésitez pas à commenter, à partager. On vient d'écouter les témoignages des salariés de la Comédie Française, des salariés de l'Opéra, qui sont bien évidemment engagés et déterminés à voir le retrait de ce projet de réforme. Thank you.
Voilà, en direct de la manifestation parisienne devant le cortège de forces ouvrières. Une manifestation le Front Social qui dure maintenant depuis plus de 8 semaines. On est sur le Facebook Live de l'Humanité en direct de la manifestation parisienne partie place de la République. En ce moment même, Pont des Arts, au niveau du Louvre. Un monde fou, 350 000 personnes, le chiffre est tombé à l'annonce de la CGT qui annonce donc, je vous le disais, 350 000 personnes à Paris. Le mouvement manifestement ne s'essouffle pas, mais confirme au contraire sa détermination à vouloir se faire entendre de ce gouvernement qui joue la sourde oreille, mais qui en même temps parle de dialogue social. Voilà, bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité. On a recueilli les témoignages des féministes d'attaque hein, à cause de Macron qui nous ont interprété leur chorégraphie désormais bien connue, qui nous explique hein, comment les femmes vont être extrêmement touchées par la réforme des retraites, les femmes aux carrières courtes hachées qui sont celles qui majoritairement s'arrêtent pour élever des enfants et qui se retrouveront très fragilisées si cette réforme est appliquée, très fragilisée pour prendre leur retraite. On a eu le témoignage d'un postier, Gaël Quirante. On a eu le témoignage du secteur culture avec des salariés de la Comédie française, de l'opéra, et aussi beaucoup d'enseignants. Les enseignants sont extrêmement mobilisés dans cette manifestation historique qui entame sa huitième semaine, plus d'une cinquantaine de jours de grève hein, depuis, faut-il le rappeler, le 5 décembre. Voilà, vous êtes sur le Facebook Live de l'Humanité, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Nous sommes vendredi 24 janvier à Paris, au niveau du Louvre. Nous sommes partis ce matin à 11h, place de la République, à l'appel de l'intersyndicale, le jour où le gouvernement présente son projet de retraite en conseil des ministres. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Je vous rappelle l'offre de l'Humanité, 1 euro le premier mois, 1 euro l'abonnement qui vous donne accès à l'ensemble du site numérique. Soutenez l'Humanité qui bat le pavé depuis le 5 décembre. Toutes les équipes, tous les journalistes sont mobilisés pour vous, pour prendre la parole, pour rendre visible toutes ces femmes, tous ces hommes, tous ces travailleurs, ces salariés, ces grévistes, ces manifestants, pour leur donner la parole, pour dire qu'ils sont là, présents, en force, déterminés. À se faire entendre tout simplement dans un cadre démocratique du gouvernement. En direct du Facebook Live l'Humanité, nous sommes vendredi 24 janvier. Nous nous trouvons actuellement au niveau du Louvre. Nous sommes partis ce matin, la manifestation à l'appel de l'intersyndicale de la place de la République. Le cortège de manifestants se montre toujours aussi déterminé, aussi mobilisé. Il y a une énergie qui se dégage des manifestants, voilà, qui est une énergie joyeuse, combative, contrairement à ce qu'annoncent certains médias. Je crois que le mouvement social prend véritablement confiance en lui. Il y a un cap qui est en train de se passer sous nos yeux, comme si finalement ces manifestants comprenaient ou prenaient conscience, j'en sais rien, mais de ce que les acteurs historiques, ce sont eux, et ce sont eux qui font l'histoire, puisque ce sont eux qui produisent les richesses de ce pays.
Nous sommes devant le cortège de la CFE-CGC. Nous sommes en direct du Facebook Live de l'Humanité. N'hésitez pas à commenter, à partager, hein, à nous dire, à manifester votre soutien, votre mécontentement vis-à-vis du gouvernement. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager. Bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité. Voilà, devant vous, les salariés du Louvre, après les salariés de l'Opéra, les salariés de la Comédie Française. C'est maintenant le cortège des salariés du Louvre qui sont eux aussi présents à la manifestation parisienne à l'appel de l'intersyndicale. Bienvenue sur l'Humanité. On est en direct live de la manifestation parisienne à l'appel de l'intersyndicale, jour où le gouvernement présente son projet de réforme en Conseil des ministres. Bonjour. 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 Alors, vous êtes salarié du Louvre ? Oui, je suis agent du Louvre, voilà. D'accord. Ouais, pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Comme tout le monde, pour la réforme des retraites, voilà. Nous, on est fonctionnaires, mais pas seulement les fonctionnaires, hein, je veux dire, tout le monde est touché. De toute façon, pour la fonction publique, actuellement, on compte les 6 derniers mois. Dans la réforme à points, on comptera l'ensemble de la retraite. Donc c'est évident qu'on va perdre de l'argent. Moi, j'ai fait un calcul. Déjà, j'aurais une retraite minable, hein, je veux dire. Mais si j'étais dans le dispositif, j'aurais au moins 300 euros en moins. J'en ai déjà 1000 en moins par rapport à ce que je gagne. Parce que moi, quand je suis rentré dans la fonction publique, je gagnais à peu près l'équivalent de 900 euros. Aujourd'hui, j'en gagne 1800. Donc c'est évident que la réforme à points... c'est l'horreur pour nos vieux jours, quoi. Enfin, je vois pas comment on peut faire autrement. Mais on est tous touchés. Moi, je suis pas dans le dispositif parce que je suis trop vieux. Mais on a des enfants, des collègues, enfin tout ça, voilà. Donc on est solidaires. Et concrètement, comment ça s'organise ce mouvement de grève au Louvre ? Eh ben, au Louvre, on fait des AG quasiment tous les jours. Y a beaucoup de gens qui sont mobilisés, y compris dans les conservations. Ils avaient mis une banderole là, mais elle a dû être retirée. Donc y a vraiment un mouvement solidaire. Il y a les entreprises prestataires aussi qui viennent aux AG. On fait des AG sous pyramide. De temps en temps, le public vient nous soutenir. Enfin, donc, y a pas que des gens contents, hein, mais la plupart du temps. Puis l'autre fois, ça a fermé quand même vendredi. On a réussi à fermer toute la journée, ça faisait longtemps. C'est très difficile à fermer le musée, hein, quand même. Hein. Parce qu'il y a beaucoup d'entrées. Voilà. Donc voilà, on est à peu près, il y a 2000 agents au Louvre, 1000 salariés des sociétés prestataires. Il y a des vacataires qui sont des précaires, enfin, qui sont soit contractuels des fois, mais soit sur des expos temps, donc qui ont des emplois soit à temps partiel, soit à temps saisonnier. Donc il y a ça aussi. Il y a une diminution de l'investissement de l'État, du but, enfin. La subvention de l'État n'a fait que baisser depuis 10 ans. Elle était de 70% quand on a créé l'établissement public en 93. Elle est à 40% aujourd'hui. Donc même le Louvre est en grande difficulté. Il y a 23% des salles fermées. On a besoin de créer des emplois, etc. Les jeunes conservateurs, ils gagnent 1400 euros par mois. Enfin, ils ont 10 ans bac plus 10. Hein. Voilà. Et puis nous, moi je suis agent de surveillance. Mais nos carrières, elles sont minables, il n'y a pas de déroulement de carrière, etc. Donc tout va mal, enfin je ne sais pas, il n'y a pas de raison. C'est la réforme des retraites, mais c'est aussi les conditions de travail et leur dégradation. C'est comme les enseignants, on s'aperçoit au moment de la réforme, et les ministres, que les enseignants en France sont très mal payés. Quoi. Enfin, et là, c'est pareil, moi je sais que mon niveau de vie n'a fait que baisser depuis 10 ans. Moi, je ne demande pas à vivre comme un nabab, hein, pas du tout, c'est même pas le principe. Mais au moins, vivre dignement. De toute façon, nous, si on était mieux payé, on reverserait tout dans l'économie. Donc quand on nous parle de coûts, ça nous fait doucement rigoler. Parce qu'en fait, c'est des gens comme nous qui ont des salaires très moyens, qui reversent tout dans l'économie. On ne peut pas spéculer, donc voilà, il n'y a pas de raison. Et y compris sur les retraites, si on n'arrive plus à payer nos loyers... ça n'arrangera personne. Enfin voilà. Donc c'est une réforme idiote. Voilà.
Merci. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci le témoignage d'un salarié du Louvre. Là, tout de suite au micro de l'Humanité, on est en direct de la manifestation parisienne. Ce salarié qui nous parlait d'une réforme, je cite, idiote, et qui demande lui aussi, avec l'ensemble des salariés en grève du Louvre, le retrait de la réforme des retraites. Oui, t'as vu Frédéric Voilà, on est en direct sur le Facebook Live de l'Humanité à la manifestation parisienne. On vient d'écouter différents témoignages du secteur de la culture. Un salarié du Louvre qui vient de témoigner à l'instant, un salarié de la Comédie Française et un salarié de l'Opéra qui tous et toutes sont présents ici et disent leur détermination à se faire entendre de ce gouvernement aujourd'hui où le gouvernement précisément présente sa réforme en conseil des ministres. Ça va et vous ? Oui, ça va bien. Bon, bonjour Monsieur François Auméril. Ouais, qu'est-ce que vous reconnu ? Ah, mais maintenant, c'est bien, merci. Qu'est-ce que vous pensez de la conférence de financement qui doit se tenir fin janvier ? Bah, pas grand-chose. C'est une opération un peu cousue de fil blanc, mais ceci dit, on va y participer quand même parce qu'on a beaucoup de questions à poser là-bas, des questions qu'on pose depuis le début de la phase. Sur la réforme des retraites, moi j'ai des questions à poser. Comment le système futur sera financé? Est-ce que ce qu'on a identifié comme étant des points négatifs pour certaines populations, comme les mères de famille, comme ceux qui ont une carrière ascendante, toutes ces questions-là, pourquoi est-ce qu'on a modifié l'assiette de cotisation, entraînant un déficit de 3 milliards d'euros dès le début du système? Bref, tout un tas de questions qu'on pose depuis le début et sur lesquelles on n'a pas de réponse. Et vous, monsieur François Auméril, qui êtes responsable syndical, est-ce que vous avez eu accès à l'étude d'impact? Ah, bonne question. Ben non, figurez-vous, j'ai pas eu accès à l'étude d'impact. C'est du dialogue social, ça? Mais non, pas du tout. Il paraît qu'il y a des bonnes feuilles qui ont été envoyées aux journalistes. Alors, c'est les journalistes qui nous donnent des informations. D'habitude, c'est l'inverse. Mais vous avouerez que sur un sujet comme ça, tellement clivant pour la société, sur lequel une majorité de l'opinion se pose tout un tas de questions et est contre la réforme, eh bien, l'étude d'impact, elle est tenue secrète, comme le secret de la bombage, finalement. Peut-être que la comparaison n'est pas totalement innocente, parce que peut-être qu'il y a dans cette étude d'impact pas mal de petites bombes qui risquent d'exploser à tout moment comme un chapelet au fur et à mesure qu'on analysera la situation et les conditions financières qui sont promises à tous les retraités. Et qu'est-ce que vous pensez du fait que le gouvernement présente aujourd'hui le projet de loi en Conseil des ministres alors que le dialogue manifestement n'est pas terminé? Bah, je pense que c'est un passage en force, ça tout le monde l'aura noté. Si le gouvernement avait eu une attitude responsable, il aurait retiré le projet, il l'aurait fait peut-être provisoirement, ça nous on l'aurait accepté. Mais il aurait dû tenir compte de la mobilisation dans la rue, de la majorité des syndicats, de la majorité de l'opinion qui vient lui dire que cette réforme, elle est définitivement anxiogène. Nous nous disons à la CFE-CGC depuis le début que c'est une réforme inutile et dangereuse. Elle est dangereuse et de toute façon, elle a pour seul objectif de diminuer en tendance le niveau des pensions. Ça, désormais, le gouvernement a du mal à s'en cacher. Il est venu vers nous en disant « je fais une réforme sociale ». Alors nous on a dit c'est très bien les réformes sociales, et puis quand on regarde, quand on commence à éplucher, analyser les choses, on s'aperçoit que finalement dans cette affaire tout le monde est perdant. Certains le sont un petit peu plus que d'autres, mais finalement tout le monde est perdant et on comprend que l'objectif du gouvernement n'est rien d'autre que d'accrocher l'ensemble des retraites comme une annexe de son budget et d'avoir un objectif de convergence de 14% du PIB vers 11% du PIB, ce qui est la moyenne européenne. Et ce qui me fait dire qu'en fait le système à points, qui n'est pas forcément un système impossible à gérer, mais dans le projet du gouvernement, le système à points, ben ce n'est pas un objectif, c'est un moyen. C'est un moyen pour baisser les pensions. D'accord. Et on sent, dans les témoignages des manifestants, on sent une très grande colère par rapport à ce projet, mais aussi par rapport aux conditions de travail finalement qui leur sont faites, notamment les conditions de travail des cadres qui se dégradent.
Alors ça, j'allais dire, c'est un élément supplémentaire qui vient rajouter à l'amertume que nous avons tous, parce que on vit dans un monde dans lequel, alors que le progrès semble vouloir continuer à se développer, alors qu'il y a de la croissance, il y a des richesses, ben finalement, non seulement elles sont de moins en moins bien partagées, mais ceux qui contribuent beaucoup à ce que ces richesses existent, à ce que ce progrès se mette en place, ceux qui s'investissent dans l'entreprise, les membres de l'encadrement, les techniciens, les agents de maîtrise et les cadres, eh bien leurs conditions de travail sont de plus en plus difficiles. Ils ont de moins en moins d'autonomie, les organisations sont de plus en plus stressantes, et on vient les désigner du doigt en disant, ben finalement, vous, vous en sortez pas si mal que ça. Mais non, la vérité, c'est exactement le contraire. C'est que les conditions de vie sont de plus en plus difficiles pour les membres de l'encadrement, quels qu'ils soient, et que les conditions de travail se sont énormément dégradées. La qualité du travail n'est plus au rendez-vous. Il n'y a plus de confiance dans les entreprises. On a l'impression que tout le monde est un petit point dans une matrice qui est contrôlée par les directions générales, qui elles-mêmes n'ont plus de stratégie, n'ont plus comme préoccupation, comme priorité, que de gérer leur budget, leur PowerPoint, etc. Et tout ça crée une ambiance finalement, j'allais dire, assez anxiogène. Et quand vient le projet des retraites par-dessus, ben, c'est une goutte d'eau qui fait déborder le vase qui est déjà bien plein. Et beaucoup de médias annoncent la journée d'aujourd'hui, 24 janvier, comme un baroud d'honneur, mais les chiffres viennent de tomber, 350 000 personnes à Paris. Le mouvement est appelé à se poursuivre. Alors, pour la CFE-CGC, de toute façon, on l'a annoncé, hein, on va faire une pause pendant le déroulement de la conférence du financement. On a considéré que dès l'instant que le projet est déposé devant le Conseil des ministres, que le gouvernement n'a pas tenu compte de nos avertissements et de nos remarques, eh bien c'est un chapitre qui se terminait, on va en rouvrir un autre. Donc on reste extrêmement mobilisé sur notre argumentation, on reste mobilisé pour faire de la pédagogie, pour informer l'opinion des conséquences de ce projet, mais on va faire une pause dans les mobilisations. On va d'une certaine façon donner un peu une dernière chance à la démocratie, donner une dernière chance au gouvernement de retirer provisoirement son projet, peut-être de rouvrir des espaces dans lesquels on aura toute latitude pour discuter et rendre un système qui est totalement instable et qui de toute façon ne fonctionnera pas, bah essayer de donner peut-être un visage humain à ce projet, et aujourd'hui c'est pas le cas. Quand vous dites ouvrir un nouveau chapitre, qu'est-ce que vous entendez concrètement ? Ben, ce que j'entends concrètement, c'est qu'il y a une phase de débat parlementaire qui s'ouvre. Donc le débat parlementaire, dans une démocratie, c'est un débat ouvert. Il se fait devant tout le monde. Des questions sont posées aux ministres qui portent le projet de loi. Et ces questions, elles sont filmées. Et il est obligatoire d'y répondre. Vous savez, on a été extraordinairement frustrés, nous, ces dernières semaines, que toutes les questions que nous avons posées, jamais aucune réponse ne nous est donnée. Donc là, au moins, eh bien, tout le monde saura, tout le monde verra, tout le monde pourra juger de la réalité de ce que nous disons depuis le début, c'est que cette affaire est basée sur un gros mensonge. Le gouvernement vient vers nous, il prétend avoir un projet social, en vérité ça n'en est pas un. C'est un projet budgétaire de plus. Et le destin qui est promis aux retraites, moi je le dis très franchement, eh bien c'est le destin dont on peut constater aujourd'hui de la réalité de notre système social, s'agissant de la maladie, des hôpitaux, de leurs difficultés de fonctionnement. Aujourd'hui tout est budget. Plus rien n'est service dans notre société, eh bien, c'est l'avenir qui est promis aux retraites. Et Monsieur Auméril, vous savez qu'au Parlement, le gouvernement a déjà prévu de passer en force, en quelque sorte, de manière accélérée. Est-ce que vous pensez que les parlementaires, plus que la rue, réussiront à se faire entendre ? Bah, moi, je le souhaite. Il me semble que notre pays reste, jusqu'à aujourd'hui, un pays démocratique dans lequel le Parlement est respecté. Le Parlement, comme son nom l'indique, c'est une instance dans laquelle on parle. C'est-à-dire, on pose des questions, on y répond. Le président de la République, paraît-il, moi je ne l'ai pas entendu en direct, il a fait le reproche à certains, ce n'est pas mon cas, qui semblaient sous-entendre que notre pays serait devenu une dictature. Ce n'est pas du tout mon propos, mais je veux rebondir sur ce qu'a dit le président de la République. S'il veut nous montrer, s'il veut faire la preuve que notre pays, la France, est resté un pays vraiment démocratique et exemplaire, eh bien il faut donner tout l'espace nécessaire à ce que les questions soient posées et que des réponses soient données. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de questions et il n'y a pratiquement aucune réponse. À propos de démocratie, un sondage Elabe qui est tombé hier, pour lequel 72% de Français pensent que le mot autoritaire s'applique très bien au chef de l'État. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je ne fais pas de jugement de personnel, je ne fais pas de jugement de personne. Je crois qu'il faut juger du mode de gouvernement sur lequel, auquel aujourd'hui nous sommes soumis. Ce n'est pas ce mot-là. Je dirais qu'il y a une forme de difficulté à nous entendre, de difficulté
à comprendre ce que c'est que le corps social, à quoi servent les partenaires sociaux. Et il y a effectivement une absence de considération de ce qui est un des mandats de la démocratie, de déléguer pour partie une partie du mandat pour faire progresser la société, faire des lois, y réfléchir, eh bien, aux représentants des corps intermédiaires que nous sommes. D'accord, très bien. Merci voilà. beaucoup, monsieur François. Merci. Merci, monsieur Méril. Voilà, monsieur Méril, secrétaire général du syndicat CFE-CGC, au micro de l'Humanité. L'Humanité. On est en direct du Facebook Live de la manifestation parisienne à l'appel de l'intersyndicale qui est partie ce matin 11h, place de la République, et qui vient de dépasser le Louvre, les salariés du Louvre qui étaient à notre micro et qui témoignaient de leur engagement dans ce mouvement qui dure maintenant depuis plus de 8 semaines, plus d'une cinquantaine de jours de grève, les salariés de la Comédie française, les salariés évidemment de l'Opéra, dans les images absolument fabuleuses des rats de l'Opéra ont fait le tour du monde, des concerts qu'ils ont également donnés devant l'Opéra Garnier, ces moments voilà de où le temps se suspend, ces moments où voilà l'art s'invite dans le mouvement social, ce mouvement social absolument historique qui est en train de franchir un cap, qui n'en démord pas, qui manifeste encore et toujours sa combativité, sa détermination, sa volonté de se faire entendre de ce gouvernement, ce mouvement social, ce front social qui est en train d'écrire une page historique, une page d'événements finalement de l'histoire de France en ce début de 21e siècle. Bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité. Nous sommes en direct de la manifestation parisienne à l'appel de l'intersyndicale, jour où le gouvernement présente son projet de loi en Conseil des ministres. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Je vous rappelle l'offre de l'Humanité, 1 € l'abonnement pour le premier mois qui vous donne accès à l'ensemble du site numérique. Soutenez l'Humanité, nos équipes de journalistes qui sont mobilisées sur tous les fronts depuis le début du mouvement pour donner la parole aux manifestants, donner la parole aux grévistes, donner la parole au mouvement social. C'est ça aussi l'Humanité, être au plus près des luttes sociales, au plus près de ceux-là même et de celles-là même qui finalement sont les principaux acteurs de l'histoire. Vous voyez ce cortège qui n'en finit pas, qui est quand même parti ce matin à 11h, place de la République. On est en direct de la manifestation parisienne aujourd'hui, vendredi 24 janvier. Manifestation à l'appel de l'intersyndicale. Le front social ne faiblit pas, bien au contraire, il montre sa détermination. Les chiffres de la CGT sont tombés. 350 000 personnes à Paris, 350 000 personnes à Paris dans le cadre d'un mouvement absolument historique, interprofessionnel, de solidarité entre les secteurs, entre tous les travailleurs, la tentative de division des travailleurs du gouvernement qui avait mis en avant les régimes spéciaux manifestement n'a pas fonctionné. Les enseignants extrêmement mobilisés, mais aussi les avocats. On a écouté le témoignage extrêmement précieux et documenté d'une avocate très 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 en colère, le témoignage de salariés de la Comédie française, du Louvre, de l'Opéra, le témoignage d'un postier, des étudiants qui sont aussi mobilisés avec les lycéens, le témoignage des cheminots, des salariés de la RATP dont la détermination aujourd'hui n'est absolument plus à démontrer, la détermination et, faut-il le dire, le courage de tenir plus d'une cinquantaine de jours sans salaire, faut-il le rappeler. C'est une réalité matérielle, la grève, mais ça prouve la force, la
résistance, la combativité de ce front social. Le mot honneur dans cette chanson, honneur des travailleurs, c'est une question de dignité, c'est la dignité au fond des travailleurs qui est touchée, qui cherche à se tenir debout, à montrer qu'ils résistent face à un gouvernement qui reste sourd à leurs revendications après plus de 8 semaines de mouvement social. Bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité. N'hésitez pas à commenter, à partager. Nous sommes en direct de la manifestation parisienne. Voilà, on est en direct du Facebook Live de l'Humanité. C'est un live qui a démarré ce matin à 11h. Nous sommes partis, nous avons suivi le cortège de l'intersyndical qui est parti place de la République à Paris aujourd'hui, vendredi 24 janvier, au moment où le gouvernement s'apprête à présenter le projet de loi de réforme des retraites en Conseil des ministres. C'est 350 000 personnes qui sont aujourd'hui à défiler dans la manifestation parisienne après plus de 8 semaines de mouvement social. Les manifestants démontrent encore une fois leur détermination, leur engagement, leur volonté. L'international qui sont déterminés à se faire entendre par ce gouvernement. Voilà les salariés syndicalistes de FO qui entonnaient le chant, le fameux de l'international. On est en direct du Facebook Live de l'Humanité et vous le voyez, les manifestants sont extrêmement combatifs et extrêmement déterminés à se faire entendre par ce gouvernement. International sera le genre humain, c'est bien contre un projet finalement de société néolibérale. Il y a quelque chose qui est pour le retrait de la réforme des retraites, mais qui est bien plus large que ça par rapport aux conditions de travail, par rapport aux différentes réformes qui dégradent les conditions de vie, qui paupérisent, qui précarisent. C'est contre tout ce projet, cette logique ou cette forme d'idéologie qui s'exprime aujourd'hui chez les manifestants. Vous voyez, les salariés d'FO n'ont pas oublié
n'ont pas oublié les chants révolutionnaires. Toujours autant de détermination dans cette manifestation parisienne. Bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité. On est en direct sur les quais parisiens. On est parti de République ce matin à 11h à l'appel de l'intersyndicale. Aujourd'hui, vendredi 24 janvier, jour où le gouvernement présente son projet de loi en conseil des ministres. On a entendu le témoignage du responsable syndical de CFE-CFGC qui parlait d'un petit problème de démocratie et d'écoute au moment où les syndicats, les partenaires sociaux n'ont pas eu accès à l'étude d'impact qui a été remise à simplement quelques journaux dans Le Monde que nous, l'Humanité, nous sommes bien évidemment chargés de nous procurer, tout simplement en le demandant à nos confrères du Monde qui nous ont fait savoir qu'ils avaient eu accès simplement à quelques pages. Une vingtaine de pages sur les 900 pages de l'étude d'impact qui risque d'être explosif pour le gouvernement puisque c'est plus simplement 14% du PIB à quoi doit se réduire le budget retraite, mais ça pourrait aller jusqu'à 13 voire 11% comme le disait à notre micro le responsable de CFE-CGC, monsieur François Omery. Bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité. N'hésitez pas à commenter, à partager. Nous sommes en direct de la manifestation parisienne aujourd'hui, vendredi 24 janvier, avec des manifestants déterminés, joyeux, combatifs et qui demandent simplement à se faire entendre. Les enseignants aussi très 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 mobilisés. Nous avons rencontré beaucoup de témoignages d'enseignants qui n'en peuvent plus des très bas salaires qui sont les leurs, qui sont très très remontés par rapport à la réforme Blanquer et qui bien évidemment sont mobilisés pour demander le retrait de cette réforme des retraites. Voilà le Facebook. L'animation à Concorde actuellement, ça gaze un peu. Mais pour l'instant, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. On continue à avancer avec solidarité et avec ordre. Voilà le Facebook Live de l'Humanité qui a démarré ce matin à l'appel de l'intersyndicale, place de la République à 11h. Nous sommes au niveau des quais, nous avons dépassé le musée du Louvre. Nous avons accueilli de nombreux témoignages, les féministes du cortège d'attaque, le témoignage de François Omery, le secrétaire général de la CFE-CSGC, le témoignage du sénateur communiste Pierre Laurent, du responsable politique Olivier du NPA, Olivier Besancenot, les salariés de La Poste, beaucoup d'enseignants, le secteur culture avec les salariés de l'Opéra, de la Comédie-Française, du Louvre. Voilà, c'est sur ces images de fin, de détermination, de combativité des manifestants que le Facebook Live de l'Humanité va prendre fin. N'hésitez pas à commenter, à partager. Je vous rappelle l'offre de l'Humanité à 1€, l'abonnement le premier mois, qui vous donne accès à l'ensemble du site numérique et de suivre l'Humanité. Abonnez-vous, nos journalistes qui sont mobilisés sur le terrain depuis le 5 décembre, au plus près des mouvements sociaux. Voilà l'Humanité, le journal des luttes sociales, des manifestants, des grévistes, des manifestantes. Bienvenue chez nous, partagez, commentez et à très bientôt sur ces images de fin d'une manif déterminée après 8 semaines de mouvement social. À très bientôt sur l'Humanité.